c'est important d'avoir une bibliothèque dans une ville ? C'est important parce que c'est un accès à tous, d'abord. Et puis les livres, je pense que les livres sont importants. Avant les écrans. Les livres sont très chers. Et le fait de s'abonner à l'année, ça nous permet de changer beaucoup de livres. Un abonnement, c'est quand même plus intéressant. Et puis ça permet aux enfants d'avoir une culture du livre plus développée en fait, que ce qu'on trouve dans les magasins. Comme ça, il n'y a pas besoin de se déplacer souvent. Par exemple, si quelqu'un habite au nord, il ne faut pas aller jusqu'au sud. S'il n'y a qu'une bibliothèque au sud, pour que ce soit à côté. Il y a des personnes qui n'ont pas tout, forcément, enfin, je parle pas de moi, mais il y a des personnes qui n'ont pas accès à tout. Du coup, c'est bien quand même d'avoir une bibliothèque à côté. Je pense que c'est très important pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se déranger beaucoup. À côté pratique, on peut aller où on veut, parce que finalement, si je veux un livre tout de suite, je vais sur Internet et je regarde où je peux trouver mon livre. Ça permet de se retrouver avec ses amis. C'est important une bibliothèque parce que c'est un endroit où on peut venir se retrouver éventuellement avec d'autres habitants de quartier. Moi, je sais que Loévan, il vient avec l'assistante maternelle à la bibliothèque et c'est un endroit qui est quand même ressource. C'est très important, c'est un endroit de vie en fait, comme d'autres endroits de la ville, comme les commerces, au même titre des commerces, c'est très important en fait d'avoir une bibliothèque. On peut se regrouper et on peut apprendre plein de choses. Bah, ça permet d'avoir de la culture en fait, que toute la culture soit transmise à tout le monde. Pour qu'on puisse s'instruire, se cultiver, ça me paraît très important ça. Pouvoir lire, de pouvoir s'enrichir, de pouvoir venir avoir un endroit comme ça, quoi, n'importe où, quoi, je trouve ça important. Ça permet cette ouverture culturelle à tout à chacun. Peu importe où on vit, peu importe d'où on vient, ça permet de s'ouvrir vers l'ailleurs, quoi. Pour garder tout ce qui a été appris, tous nos acquis, garder tout ça, et c'est important de le transmettre aux générations futures. Avoir plusieurs références, des choses que les universités ne proposent pas nécessairement, un lieu où conserver les vieux écrits, les vieux ouvrages. C'est important pour tout le monde, pour ceux qui comprennent bien la lecture. Bon, mais moi je ne lis pas beaucoup parce que je ne vois pas très bien, mais enfin bon. Je fais de l'accordéon, moi, à la place.